moteur donc un rendement poids-puissance 30% supérieur au moteur classique, mais aussi en termes d'énergie, on est pratiquement 15% meilleur qu'un autre train électrique. Vous voyez tout ça comparé, si vous comparez par rapport aux véhicules urbains, aux voitures ou aux bus, là c'est les coefficients 10 qui rentrent en jeu, donc l'empreinte carbone de ce type de matériel est tout à fait, représente vraiment un saut important. Maire de Nantes et la métropole ont bien l'intention d'urbaniser fortement ce pôle Aluchère-Batignolles pour en faire un pôle qui permette de vivre, à la fois pour habiter, pour travailler et pour utiliser... Batignolles, c'est le clin d'œil avec l'entreprise industrielle traditionnelle que nous avons connue et qui devra trouver une autre fonction dans les années à venir. Il y a sorti des accélérations, là, quand même. Le silence et les accélérations, là, c'est... Tout est bien. Il y a encore les taquets derrière, tout ça là-bas. Oui, non, mais on va voler. Ça se trouve, on va changer de bois, on rentre à la 16 ou le 55. Oui, c'est